Salut Aline, comment ça va aujourd'hui? Salut Géry, ça va bien et toi? Eh ben super. Alors écoute, la grosse tendance aujourd'hui, c'est que les gens se filment tout seuls face caméra. Et moi, on me pose souvent la question, mais comment tu fais, Géry, pour être le plus naturel possible? Est-ce que tu peux nous aider? Alors écoute, quand on se filme, souvent on a tendance à préparer beaucoup et à écrire. Et C'est on oublie vrai. quelque chose, on oublie d'oraliser son expression, Et ça veut dire c'est-à-dire quoi? de la rendre plus naturelle une fois qu'on l'a écrite. Alors ça peut être par exemple utiliser peu de mots, appuyer sur les mots importants qu'on appelle les mots-clés, faire des phrases courtes, des phrases plus directes, et puis utiliser un langage plus naturel, c'est-à-dire plus simple, on va dire. Mais au niveau de la voix, ça se traduit comment, Aline? Alors au niveau de la voix, eh bien ça se traduit par une voix qu'on va dire posée, assez calme, mais en même temps assez modulée, parce que sinon on risque tout simplement d'endormir les personnes qui nous regardent. Alors moi, personnellement, j'ai deux priorités. La première priorité, c'est la complicité, et ma deuxième, la sincérité. Comment on obtient de la complicité? Eh bien en remettant la relation au centre de la préoccupation, même, tu vois, quand on est filmé. C'est pas évident parce que moi j'ai l'impression d'être face à un mur, quoi, tu Eh vois. bien oui, mais à ce moment-là, il faut que tu imagines que tu t'adresses à une personne privilégiée, pas à plusieurs personnes, parce que sinon ta voix risque d'être un petit peu trop forte, tu vois, sauf si tu veux un effet d'entraînement. Mais d'abord, c'est s'adresser à une personne que tu imagines et qui va t'écouter. Et comment bien Et se puis, préparer, du alors coup? attends, tu vas trop vite, la sincérité, je t'ai pas dit. Alors en fait, la sincérité, c'est super important. À l'image, eh bien, on va avoir tendance à se préoccuper vraiment de l'image qu'on renvoie, tu vois, et à pas être très très naturel. Eh bien, pour être sincère, il faut se brancher sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui te passionne, sur ton élan, voilà, sur ce Ok. que tu vas transmettre, hein. Et Et comment je là, me pouf! prépare? Voilà. Alors comment tu te prépares? Eh bien, du coup, tu vas te poser les bonnes questions. À qui tu veux t'adresser? Quels sont tes objectifs? Quels effets tu veux obtenir? Éventuellement, quelle image tu veux laisser? Donc ça, c'est l'intention, c'est ça? Exactement, Ok. c'est l'intention. Bon, j'ai droit à plusieurs essais quand même. Bien sûr, tu as le droit à plusieurs essais, mais attention, Géry, l'énergie, la meilleure énergie, c'est la première, c'est la bonne, hein, celle-ci. C'est vrai. Et donc, fais attention de ne pas l'émousser au fur et à mesure de tes répétitions. Il faut que tu trouves un bon équilibre entre la maîtrise et la spontanéité, l'authenticité. Et toi, t'es plutôt par cœur ou impro? Ah, ben ça, je te le dirai la prochaine fois. Je te propose que ce soit le thème de notre prochaine vidéo. Eh ben écoute, avec plaisir. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous écrire, à vous nous envoyer vos questions, vos propositions de thèmes, à vous abonner à la chaîne, à nous suivre, quoi. Merci Aline. À Je t'en bientôt. prie, Géry, à bientôt! Salut.